L'assistance technique mobilisée par l'agence MCA Morocco au profit des parties prenantes du foncier industriel, particulièrement le ministère de l'Industrie et du Commerce, a soutenu l'ancrage du nouveau modèle de développement et de gestion des zones industrielles durables prôné par le Compact 2. Des progrès notables ont été enregistrés, notamment l'élaboration et l'adoption du projet de loi numéro 102-21 qui concerne et qui définit le cadre de création, d'aménagement, de gestion et de valorisation des zones industrielles durables qui répondent aux demandes des investisseurs et aux enjeux sociaux et environnementaux de ces territoires. L'objectif ultime étant d'encourager l'investissement industriel à travers le levier foncier, en améliorant la qualité de ces espaces et en réduisant et luttant contre les phénomènes de spéculation. L'appui de l'assistance technique a également porté sur la mise en œuvre d'un programme de renforcement des capacités, matérialisé par des actions de formation sur 12 modules thématiques sur les différentes disciplines et étapes de création et d'exploitation des zones industrielles. Ces modules ont été numérisés dans le cadre de didacticiels interactifs qui sont aujourd'hui en ligne et disponibles de manière publique. En parallèle à ces modules de formation, on a également développé 6 outils didactiques et produits de connaissances qui visent à mieux appréhender les apprentissages de ce programme de renforcement des capacités. Sans oublier aussi le développement de la plateforme électronique sur le foncier industriel, industrialestates.gov.ma, et le diagnostic des 114 zones industrielles existantes qui sont répertoriées par le ministère de l'Industrie et du Commerce, qui totalise une superficie de 10 500 hectares.